Hey tous, c'est le Flingueur. Aujourd'hui, on se retrouve sur encore sur PlayStation VR World ou PlayStation World, un jeu que j'ai trop kiffé. Et aussi, j'en vous en refais. Vous inquiétez pas, il y aura du Dragon Ball. Du coup, on va peut-être se refaire le jeu que j'étais full bon la dernière fois. Et on va découvrir d'autres jeux. Je pense que je vais vous faire le jeu où j'étais bon en la dernière. Mais un court extrait, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire d'autres niveaux comme le requin ou peut-être l'affaire d'agent secret avec le diamant. Du coup, L1, R2, ok, ouais, c'est ça. Bon, les amis, on commence sur l'initiation. Le jeu s'appelle Binoustruc, je pense que c'est London Heist. On va se le faire. Puis un autre jeu, et après ça on retourne sur le jeu qu'on était bon la dernière fois, peut-être. Du coup, c'est ça. Du coup, on est parti. Ah oh, bah, choisir le mode de jeu. Manette sans fil. Scénario. Stand de tir de Mickey. Bah, on va faire scénario, prologue 1. On va se faire le prologue 1. Dépôt de S de London, 6h et je sais pas trop quoi. Ah. Cet enfoiré nous a tendu un piège. Il s'est bien foutu de notre gueule. Non. Non, Franck. Je sais pas où elle est. Mais t'en fais pas. T'avais pas cette affaire-là. Je connais quelqu'un qui a peut-être une idée. Ouais, monsieur, je suis bon. Ouais. Salut, monsieur. Monsieur. Salut. Salut. Je t'en occupe. Ouais. Ok. Ok, Franck. Monsieur? Tu croyais que t'allais t'en tirer si facilement? Non, je sais pas ce que j'ai fait. Je suis innocent! Je suis innocent! Regardez, je mets les mains en l'air, Thibault. Je la ramènerai pas trop, sale petite merde! Ah ouais? C'était pas compliqué. Poum. Ah merde. Tu rentres discrètement, tu prends Serena et tu la ramènes à Franck. Mais non, t'as préféré la jouer solo et disparaître. Qu'est-ce que t'as cru? Que t'étais Harry Houdini? Non, j'étais ton père. Je vais te dire un truc. J'ai toujours aimé ça, moi, les tours de magie. Ouais, j'en connais un pas mal, je suis sûr que ça va lui plaire. Ouais. Regarde ça. Touche-moi pas, toi. Ça va mal finir. Non, mais là, tu m'as pas aussi. Maintenant, t'as intérêt à me répondre. Non. Où tu l'as caché? Dans ton cul. In London, hey. Ok, pour faire l'histoire, genre qu'est-ce qui s'est passé. Bah, le chargement est un peu long. On va essayer de s'en tirer. Non, merde! Ah, on est dans un bar, les amis. Je pense qu'il faut faire ça parce que. Oh oh. Réunion privée, on ferme la porte. Merde. Je fumais. Il est mort. Ah merde. J'ai pas eu le choix. Il complotait avec les riches.
Ta boy. Ah merde, mon cigare. Quoi? Mon vieux, il connaissait bien la chanson. Ouais. Il disait toujours, on peut pas se faire d'oseille quand on est dans une cellule ou dans une tombe. Et il avait raison. Ça brûle pas cet enfer là, putain! Le Ruskov est à côté de la plaque. Tout ce qu'ils veulent, c'est buter tout le monde. Ils ouais. tuent les gens sans raison. Ouais, je suis. Même les flics les plus ripoux seront obligés de réagir. Ils vont tous nous foutre en tôle. Ouais, ça c'est pas fou. Tu vois un cigare? Tu sais comment on fait tomber un type comme Koslov? Non, je sais pas. Faut le faire passer pour un con. Ah. Tu le provoques? Et t'attends que cette grosse brute vienne. Il y a un gros point, tu vois. Si les flics lui explosent pas la cervelle, ces gars s'en chargeront. Bon plan, bon plan. Que ce soir, on va attirer son attention en lui dérobant son. Ah, le bail plus haut de moi, c'est fou. Son diamant adoré. Oh. Serena. Bah, je vois pas, moi. T'auras besoin de ça. Téléphone portable. Il est clean. Tu le jettes quand t'auras fini. Ah, il est bien réussi. Une oreillette. Pour avoir les mains libres. Du fric. Pour la mission. Regardez, le téléphone, il est bien fait, hein. Ok, j'ai désactivé toutes les alarmes. Ouais. Alors tout ce que t'as à faire, c'est entrer, récupérer le diamant et ressortir illico. Pigé ? J'ai un autre truc important à te dire. Putain, quelqu'un s'en est pris à French Tony. Ce boulot, c'est vraiment du lourd. Mais je sais que... Ça, c'est un Android... non. C'est un Sony en plus. C'est la Kalinka. J'ai dit que c'était une réunion privée, Mike. Ouais, mais moi c'est différent, Frank. Tiens, là les passes que tu m'avais demandé. C'est le petit gars de Dave. Il les a fait avec son ordi. Merci, Mike. Il a fait. Merci. Putain de bon boulot. On discute. Bravo. Ok, et on discute de quoi? Tu te prends pour un flic? C'est pas tes affaires. Ça se met pas sur moi, ça. Alors tu te casses et tu ramènes le fourgon. Ok. Du calme, Frank. Un beau téléphone Sony et une belle passe et de la thune. Espérons que j'aille être bon, hein. Bon, alors, comme je disais, je te connais depuis déjà belle lurette. Tu fais partie de la famille depuis qu'on t'a pris sous notre aile. Ouais, c'est ce que t'es pour moi, la famille. Alors écoute, j'aimerais bien prendre, disons, ma retraite. Profiter un peu de tout ce qu'on a construit toutes ces années. Hé, file-moi du feu. Alors, tu sais que j'adore Mikey, mais... Je peux qu'est-ce pas que le branleur péter les plombs pour gérer le business. Et toi, par contre, je suis persuadé que t'as tout le potentiel pour empêcher notre petit royaume de tomber entre les mains des types comme Koslov. T'as raison. Mais, faut d'abord faire tes preuves. D'accord. Tu vois ce carnet? Ouais. Dedans, il y a tout ce qu'il faut savoir. Pour pouvoir gérer le business comme un véritable pro. Tu mets le paquet ce soir. Et ce bouquin est à toi. Merde, mon cigare. Allez, fous le camp. Hé, hey, vieux. Dépôt de Londres, rien, 6h39. Salut. D'abord, il fume avec cette affaire. Ouais. Hey, qu'est-ce que tu mates?
T'as des couilles pour me regarder en face. Toi, tu m'agrées pas. Ouch. Toi et moi, on va jouer à un petit jeu. Oh non! On va l'appeler... Où est Serena? Tu pensais te tirer en douce à l'autre bout du monde, hein? Mais t'es coincé là. Oh non, non, non! Moi. Et on est tous très curieux de savoir si tu sais où elle se cache. T'es capot, on n'a pas vraiment mal, on est en VR. Je vais te fermer la gueule, espèce de petite merde! J'en ai rien à branler de ce que Frank pense de toi! Je te fais pas confiance! Et tu sais d'abord, quoi? Y a six parce qui que le seul qui aurait pu voler Serena aujourd'hui, c'était toi ou moi! Et c'était pas moi, bordel! Alors tu vas me dire où? Chier. Frank! C'est ton genre de chance. Il a envie de causer avec toi. Allez, trésor, je vais pas te faire de mal. Réponds, putain! Allô? J'ai cru comprendre qu'on avait un petit problème. Ouais. Oublie Mikey deux minutes. Je veux que tu me dises, avec tes mots à toi, ce qui s'est passé exactement dans le bureau de Victor. Ok, c'est cas par cas, c'est avant. Biro Vitov Koslov, ça c'est un Allemand, je pense. Où? Ah merde. Pas pire. Ouch. Maintenant, prends le diamant et on se casse de là. Oh. Dépôt de Londres. Ok, c'est une mission, un peu après la mission. Moi, je vais me reculer là. Attends. Tu me dis si je me plante.
C'est ça qui est spécial. Franck! Putain de merde. Bon, ok. On va continuer un peu et après ça, on va arrêter. Ça suffit, les conneries. Ah, ouch. Oh putain, comment t'as assuré? C'était un vrai feu d'artifice. T'as épargné personne. Franchement, le chapeau. On va faire ce boulot et après ça, on va faire un autre jeu. Je sais pas encore quoi, mais on va faire un autre jeu. Ah ouais! Ah oui, c'est la mission à la Call of Duty, les gars. C'est la mission à la Call of Duty. Tu t'attendais à quoi? Des gants? Mais non? Ça a vraiment un goût de chiotte, cette merde. La mission à la Call of Duty, les gars. Bah, c'est pas vraiment dans la Call of Duty, mais c'est la mission. Ouais, mais j'ai pas de balles, moi. Ah! Ouais, mais j'ai pas d'armes. Ah! La mission à la Call of Duty et après ça on joue à un autre jeu et on se fera pas que ce soit. Ouais, bien visé. Ah boy. Les amis, c'est pas le niveau ça. Va mourir, oui! Ah merde! Merde. Ah, ah, il a décollé, c'est trop vite.
C'est quoi ça, merde? C'est pas de la science, c'est pas un kill! Oui, putain, j'ai vu ça, putain! Ah merde! Il est où le gun? Putain, on est bon! Franck avait dit qu'il allait désactiver toutes les alarmes! Ouais. Il s'est bien foutu de notre gueule! Il fait du ménage! Regarde ce qui est arrivé à Fred Stoney! Il cherche à se débarrasser de nous! Il pensait pas qu'on arrivait à prendre le diamant! Il croyait qu'on allait y rester! Ah! Merde! L'avantage, c'est que c'est nous qui avons Serena. Je sais que Franck la veut. Ouais. Quand il viendra la récupérer, il laissera. Roule! Cette mission est pas beau, les amis! C'est pas beau! Oui, c'est beau! Dépôt long. Après ça, on va se laisser, les amis, pour un autre gameplay. Mais autre, j'ai dit on ferait deux par vidéo. Je vais en faire un autre. Puis c'est ça. C'est un traître, lui. C'est un traître. Ouais, je sais pas, je suis déstabilisé. Allez, Franck, décroche ce putain de téléphone. Désolé. Mais Franck n'est pas disponible pour le moment. Perdre son temps avec deux connards qui veulent pas lui dire où est son putain de diamant. C'est lui qui l'a. Bon, comme tu l'as compris, l'enjeu est de taille sur ce coup-là. Surtout pour toi, personnellement. Alors, est-ce que je vais devoir me salir les mains? Ou bien l'un de vous deux va finir par me cracher le morceau? Voilà. Tout doux, Franck. C'est lui. C'est lui. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi le début de la fin à Mikey? Franck, je vais la jouer médiévale. Je vais me faire un plaisir de lui cramer les yeux. Non. Quoi tu joues là? Arrête de pointer ça sur moi. Non, Franck. Les alarmes. Ces putains d'alarmes. French Tony, tu fais le ménage. Quoi? French Tony? Mais French Tony était une saloperie de taupe. Et tu sais quelles seront leurs réserves au taupe. Arrête de baratiner, Franck. Ça marchera pas. J'en ai ras le cul que tu te foutes de ma gueule. Tu nous as piégés. T'es mort. Hein? Tabarnak, c'est une belle bataille ça. Me recule. Taboy. Taboy. C'est vrai, nul. Ah, bordel de merde! C'est pas possible! Si je te connaissais pas un peu mieux, j'aurais carrément l'impression que t'as hésité, putain de merde! T'as raison, c'est un traître. Faut vite qu'on dégage d'ici. J'aurais pu tuer lui, mais c'est un traître. Y a un mec de ce genre. Pas on aurait pu tuer lui, mais. Un caillou de cette taille. Il serait capable de buter sa propre mère. J'avais goût de buter lui avant, mais depuis que. Que c'est lui qui a tout m'a guiancé. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, les amis. Fine.
Par contre, je sais pas si c'était quel voulait bien buter, j'ai buté. Ah, un trophée en plus. Finalement, je voulais m'arrêter là, mais on a fini. Je vais peut-être vous montrer ce qui aurait changé si j'aurais buté l'autre, je sais pas. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Je pense que ça aurait fait tuer un ou l'autre. Ça fait que je pense pas, je vais vérifier. On va voir ce que ça aurait fait si j'aurais tué l'autre. Juste pour savoir. J'ai sauvé les deux, mais pas vraiment. C'est un choix ou un autre. Je sais pas si j'ai bien fait le choix. Je pouvais compter sur toi. Juste... Maintenant, va falloir qu'on parle sérieusement. Dis-moi déjà ce qui s'est passé avec ces alarmes. Parce que quand je vais choper celui qui m'a fait ce coup-là, je te jure que je vais lui faire regretter d'être vivant. Je veux que tu me dises. Où t'as mis mon diamant? T'as fini de même, je pense. Ouais, ça. Je voulais faire un choix ou l'autre, mais il m'a dit si je voulais tuer un ou deux. Mais je croyais que la mission se continuerait, mais non. Je voulais juste choisir un ou deux, puis je croyais que un des deux continuerait l'histoire. Mais non. Ah, tu vois, comme j'ai tué l'autre, j'ai pris un bronze à la place d'un argent. Ça fait que, je pense que le but, c'était bien de tirer sur Frank. Du coup, on a fait tuer les deux. Je pense que le meilleur choix, c'était de tuer Frank. Parce que j'ai eu un trophée argent à la place de bronze. Ça fait que, c'était un choix qui menait à la fin. Mais, c'est une décision. J'ai tué les deux. Juste pour voir si ça aurait changé grand chose. Pour pas que j'aille de regrets, mais ça change pas grand chose. Sérieusement, je pensais que c'était plus compliqué. Je vais aller mourir 2-3 fois, mais non. Descends. Ah, pourquoi pas, on va aller dans l'océan avec un sous-marin. Je voulais faire le requin, mais on va le faire la prochaine fois, on fera le requin. Mais on va faire ça. Puis ça fois. Face avec un requin. Exploration. Face avec un requin, la exploration virale reste de quoi. Exploration de la vie sauvage. Un sous-marin? Ah non, c'est... Ah, quoique, le requin, ça aurait été plus palpitant, je trouve. Bon, là, on va faire le requin après, je pense. Ouais, mais on descend de haut, de loin, loin, loin. Je pense que le requin, c'était le meilleur, mais pourquoi pas. Ah, ben, au moins, vous pourrez voir c'est quoi les petits poissons. Les petits poissons. Merde, on va aller fondre dans l'eau. Merde. Ouais. Ouais, on va aller très fond dans l'eau. Bah, il n'y a pas de requin. C'est un peu moins... Bah, en fait, un requin, ça fait pas très peur. Ici, on meurt pas. Ouais. Ah, bah, finalement, on est vraiment... Bah, c'est le son au cas où il y a le requin, mais je pense pas. Il n'y a pas dit face au requin, du coup. Ah! Une petite raie là-bas, des raies et des poissons. T'as lui, raie. Regardez, on va s'avancer un peu. On peut pas aller trop loin. Non, on peut pas aller trop loin. C'est pas plus sombre. Mais je peux pas aller trop loin à cause de. Si je suis trop proche, ça serait pas le fun. Du coup. Man, salut la raie. Oh. Ah, c'est beau les raies. Hein. Ah. Salut les raies. Après ça, on va faire le requin, je crois. Je pense que c'était sous-marin, mais pourquoi pas des raies, c'est très beau. Vous descendez ou vous remontez? Non, on descend encore plus. Ah, c'est beau. Les amis, c'est beau. Il y a plein de raies.
Regarde, il y a plein de raies. Tu vois-tu? Il y a plein de raies. C'est beau. Par contre, il n'y a pas de requins, c'est ça que... Oh non, dis-moi pas que tu vas aller plus bas. Merde. Ah merde. Je veux pas aller là-dedans. Ah merde, je croyais que j'allais bas, mais... J'espérais qu'il n'y a pas de requin, mais non, mais j'irais pas si bas que ça quand même. Oh putain. J'ai peur moi. Dans le noir. Ah quoi que. Ah c'est quoi ces petits poilons? Coucou. Nathalie, quelle heure? Ah bah là. Au pire, je le ferai une autre fois. Ah merde! C'est très très profond cette affaire. Ah si. Ah non! Ah, des méduses! Je kiffais pas, mais tiens, qu'il n'y a pas de requin, ça va. Mais non, mais s'il y aurait un requin, ça serait abusé quand même. Des petites méduses. Le requin, on va peut-être se le faire après, mais c'est pas sûr. Non, mais exploration, il m'a pas dit face au requin quand même. Oh, des petites méduses! Des petites méduses, regarde. Ah, c'est beau! Coucou les méduses! Regarde-y. Vois-tu les méduses? Elles sont belles! Ah merde, je suis trop proche! Ah, c'est super beau! Mais faut pas y toucher par contre. Parce que ça va être cute les méduses. Du coup, là, c'est un peu chuchot. Les méduses. Bah après ça, je pense on va faire pas le requin, mais voir peut-être après, mais on va voir. Ah déjà fini. Ah un trophée encore. Aujourd'hui en VR on déverrouille des trophées. Ok bon. Revoir la plongée, choisir une nouvelle plongée. Face à un requin, puis sauvage, récif décoré. On va faire un requin. Il nous mangera pas, j'ai vu des certaines vidéos. Mais ça peut faire peur. Du coup, on va se faire le requin. Pour ça, ça sera déjà fait. C'est un peu la même affaire, sauf qu'il va y avoir un requin. Puis un petit robot qui fait je sais pas trop quoi. Bah, le robot, il fait quoi lui? Tour du propriétaire. Connor, un gars que je connais, m'a dit qu'on avait repéré un paquet de déchets dans les alentours. Ouais. Surtout à la surface. On devrait pas. Toi, c'est des vrais robots, hein, dans la vraie vie. Je sens qu'on va faire une grosse découverte. Ouais, puis moi, une super trousse. On n'est pas vraiment autorisé à mener. T'as vu le poisson, il est proche, regarde, je le touche. Alors, on va pas. Bah, pauvre, hein. Bah, descends pas, là. Descends-tu, les amis? Tu vas descendre avec les drones de récup, le tétard. Eux, ils rapporteront tout ce qui est amovible. Ah, c'est ça, les drones, c'est des robots. Pour repérer tout ce qui peut avoir de la valeur. Ah, bah, c'est peut-être ces robots-là. Bah, pourquoi mon... J'ai jamais mis les pieds ici, mais t'inquiète, on reste avec toi tout le temps. Bah, j'espère, il y a des requins dans les parages. Par contre, essayer ça, ça. J'ai peur, je vais faire un saut. Du coup, si je vois. Si je vois un requin, j'enlève pas le casque. Mais je vais baisser le son. Connexion avec la combinaison. Effective dans 3, 2, 1. C'est parti, les détecteurs sont activés. Ah, il détecte des déchets. Il y a des déchets dans le champ. Bon, ça m'étonne pas. Du coup, après ça, on va se laisser. Non! Mais protège-moi toi, JJ, là. Il y a un gros requin. Sois vigilant. On va te suivre pas à pas grâce aux images que nous envoient les drones. Ils relèveront les infos importantes vers ton système de communication. Prochain arrêt, le sous-sol.
Bon, on va avoir des requins, les amis. C'est pareil, mais sauf qu'il n'y a pas de requins. Du coup, je vais me reculer un peu, là, parce qu'il y a des requins qui vont nous attaquer quand même. Ça peut arriver qu'ils attaquent dans la vraie vie, comme vous allez voir. Mais ils ne nous tueront pas dans la vidéo, parce que le but, c'est nous faire peur, mais pas trop. Qui s'appelle un gros requin. Ah, putain. C'est JJ qui est aux commandes. Et dans le domaine, tu trouveras pas meilleur. Ouais, bah JJ, protège-moi. Tu vas pas tarder à avoir de la compagnie. On reçoit de multiples signaux sur les détecteurs. Je vais me reculer, les amis. Il y a des requins. Ah, non. C'est des encore des... Je m'en rappelle plus, Nathalie, je l'ai dit tantôt. C'est des affaires, là. Ah ben je m'en rappelle plus. Pas des méduses mais des... l'enfant que j'ai dit au début de la vidéo là. Des... Je m'en rappelle plus du nom. C'est le même passage sauf qu'il va y avoir un requin, c'est ça qui est un peu cheaté. Je vais baisser le son bien sûr. Parce que je veux pas me faire avoir peur avec un requin. Squeezie l'a déjà fait avec Amitsem et il y avait la chienne. Je pense que c'est avec Amitien. Ou sinon, c'est Cyprien. Ou Cyprien Gaming. Je sais, les requins, ils sont pas ici, par contre. Je m'en rappelle plus. Ben, au moins, si je fais le requin, ben, j'aurais déjà fait. J'ai pas... Dans la vraie vie, j'aurais la chienne. Mais ici c'est moins pire, mais en VR c'est que t'as ça dans le vide. Tu vois, comme là je l'ai eu 2-3 fois. Moi j'ai 3 trophées pour faire ça. Non, ici c'est plus fichité parce que il va y avoir des méduses, mais il va y avoir un requin. C'est vrai que c'est un peu fichité. Du coup c'est pas rassurant. Mais après ça j'aurai pas à refaire face à un requin. Espérons que ça m'arrive pas dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que j'aimerais pas. Faut serrer les fesses, le tétard. Ça va être tendu pour passer. Ah, je suis un tétard, moi. Surveille les câbles et évite de faire bouger la cage. T'as compris? Ouais. JJ, vas-y mollo avec le treuil. Ça va pas être de la tarte, mais c'est le chemin le plus rapide pour descendre. Ouais, tu vois. Et après ça, il va y avoir le requin. Ouais. JJ, tu peux baisser le rythme. Bien sûr, chef. J'ai baissé le son parce que vous, vous l'allez entendre normalement. Mais moi, je peux baisser le son, puis ça fait aucun impact. Au pire, je vais faire face à ce requin. Mais le problème, c'est que si je fais face, puis je ferme les yeux, le problème, c'est que... Le problème, c'est que je verrai pas, puis je pourrais pas vous filmer correctement le requin. Je pourrais... Puis ça, c'est un peu cheaté. Mais le requin, il était supposé arriver quelque part ici, là. Parce que le niveau, il est presque fini, puis pas de requin. Ben, il me dit de faire face à un requin dans le noir, ça peut faire peur, mais quand même. Mais ça, j'ai pas les drones. C'est que j'ai fait face à un requin. À moi qui ça m'a enlevé le niveau. Tétard, tu m'entends? Ouais. Les communications sont rétablies. C'est qu'on a failli perdre pour de bon, Tétard. Mais heureusement, c'est pas le cas. Ouais, j'ai entendu. On arrive au bout, Cal. Encore un effort et on aura passé la grotte. JJ, tu peux rallumer les lampes de la cage? Ah, c'est mieux. Ouais, merci. Qu'un requin dans le noir, c'est pas... Ah, on va plus loin que... Une seconde. D'où ça venait, ce truc? C'est sur aucun de nos relevés. Je comprends pourquoi Connor est resté aussi évasif. JJ, une idée d'où peut bien venir cet engin? Non, chef, aucune idée. On n'a pas de signature correspondante et rien d'aussi gros n'a été signalé dans le secteur. Ouais, pour le moment. Ça, plus près, alors. Ça m'a tout l'air d'être militaire. Et récent.
Si c'est bien le cas, on devrait pas tarder à avoir de la compagnie. Merde. Ah, c'est le sous-marin. Ah, regardez, il y a des volcans volcaniques et d'autres créatures. Éteins-moi ce bordel, tu veux? Ça sent le roussi, Tétard, faut pas traîner. Mais pour l'instant, tu risques rien grâce à ta combinaison. Bah, j'espère. Une fois qu'on décroche le gros lot, c'est pas de bol. On se retrouve avec un sous-marin nucléaire non identifié. Super. Ouais, c'est super. Connor nous a envoyé faire le sale boulot à sa place. Allez, Tétard, il faut qu'on récupère tout ce qu'on peut sur cette épave, et vite. Pas question de repartir. Ouais, bah, ça, j'avais compris. On en est où, au niveau du temps de la plongée? Pas de problème de ce côté. C'est des radiations qu'il va falloir se méfier. Ah! Les sismomètres viennent de se rallumer. Surtout, regarde bien tout ce qui va vers le fond. On n'a pas beaucoup de temps. Essaie de récupérer tout ce qui peut avoir de la valeur. Les drones s'occupent du reste. Je détecte une forte signature thermique émise par quelque chose là en bas. Peut-être la source des radiations. Là, c'est quoi la lumière là? Mais dévite les gars, il y a un requin quelque part. Comprends les radiations, mais moi j'aurais la chienne ici. Ben, peut-être pas, c'est pas la réalité, mais... J'ai hâte de voir le requin, puis finir ça. J'ai pas peur, mais c'est le saut qui est plus. Wow, ça a l'air de venir de cette caisse. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Wow. C'est là-dessus que Connor voulait qu'on mette la main. Ouais, mais remontez-moi. Il va falloir y aller tout doux avec cette cargaison. Évitons de déclencher quoi que ce soit. Il nous la faut en un seul morceau. On va la ramener à bord pour voir de quoi il s'agit. À mon avis, on doit pas être les seuls à s'y intéresser. Non. Attends, on détecte quelque chose de gros qui fonce sur toi. C'est un requin. Qui fonce sur moi. Je vais baisser le son parce que les requins, moi, c'est... Ah, voici le requin. Il m'avait pas gisant, en fait. Ah si, c'est plus gros que je pensais. Merde! Il est où? Voici le fameux requin. Ah, je sais pas s'il peut rentrer. J'avais plus peur que ça, mais finalement, à mi-temps, il y a eu peur pour rien. Parce que genre, quand j'ai vu la vidéo d'Amisem de Squeezie, il va revenir là, vous inquiétez pas. J'avais plus peur que ça, parce que j'ai vu la vidéo d'Amisem puis rien puis Squeezie. J'avais plus peur que ça, mais vraiment, ça avait pas si peur que ça. Il y a eu plus de peur que de mal. Ben, comme on dit. Je pense qu'il va revenir le requin, par contre. Ah bah là, le requin, finalement, il me fait pas tant peur que ça. Détruis ça. Ah merde! Et voici le requin qui rattaque! Vite, fais quelque chose! Voici un requin, à quoi ça ressemble? Ah merde, mon casque! On recule! Allez, pied à... Je pense que ça va être plus peur. Ah oui, là ça fait plus peur. Là ça fait plus peur par contre. Et taboy. Ah si. Ah mais merde, remontez-moi là. Ah bah. Ben, on mourra pas là si on verrait quelqu'un de mourir. Monte. Tu es bloqué! Il y a un requin qui a brisé la cage! Et il peut revenir n'importe quand! Oh non, non, non! Vite! Montez! Squeezie, t'as partout monté en vidéo! Ouais, c'est plus! Là, c'est plus épeurant, là! Squeezie, là! Monte! Ah! Ah merde! Il va briser la cage! Hit ta boy!
Squeezie là dans son... Non, 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 non. Dans sa vidéo, il a pas montré ça. Montre la cage. Il y a un requin qui il pense... Merci. Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr de mon enfant, mais je pense que Squeezie puis Cyprien ou Amitié m'ont pas tout... Wow! On pas tout montré, puis il me prend pour une chair à porter. Non, pour vrai, j'ai un peu, mais ça fait plus peur que je pensais. Ah merde. Et... Une chance, il s'est pogné la roche parce que j'étais mort. Oh, wow. On t'a récupéré de justesse et la caisse est en merde aussi. Un peu plus et on s'ennuyait. Bah, j'ai failli être mort, oui, hein. Mais une chance en VR parce que une vraie personne, ça peut arriver, hein. Une vraie personne. Tu l'as dit. Ouh, une putain de première expérience. Cal, le radar indique la présence de quelque chose qui nous fonce dessus. On a de la compagnie, on dirait. Et je crois savoir ce qu'ils sont venus chercher. Dans quoi tu m'as entraîné, Connor? On l'a fait, les amis, on l'a fait. Cette vidéo-là, je l'ai déjà vue, comme je vous dis, dans la vidéo de Mr. Squeezie et Amitiem, ou Amitiem et Cyprien. Je pense que c'est Cyprien Gaming, des enfants de même. Je l'ai vu, mais me semble qu'il y a des bouts que je me rappelle. C'était pas de même, où il n'y a pas tout montré, ou un peu, mais il y a des bouts, je m'en souviens, que j'avais vu la vidéo, mais il y a un bout que j'ai pas vu. Mais il y a des bouts que j'avoue, j'avais peur, ça m'a fait des sauts, mais il y avait des bouts que j'exagérais. J'avais pas vraiment peur. Genre, vous l'avez. Ah, c'est pas vrai, il y a peur, mais non. J'avais pas vraiment peur, c'est juste que j'exagérais pour faire croire que j'avais peur, mais pour vrai, j'ai pas vraiment peur. Sinon, que les premiers bouts, je pensais avoir peur, mais j'exagérais un peu. Au début, je me dis, ah, c'est pas si pire, mais quand il y a des trucs complètement à la cage. En vrai, parce qu'en vidéo ça apparaît pas, mais quand tu as le vrai cave virtuel, tu sens vraiment dans le jeu et tu es immersif dans le jeu. Ça fait qu'il y a des bouts que je m'en rappelle plus si Cyprien avait montré, Squeezie avait montré. Mais ah, la manette est vraiment stylée ici. Les boutons ici, le carré, triangle, haut et carré s'illuminerait de même. Ça serait nice sur les manettes. Parce que par contre, je vois pas les trous. Ah, oh, oui, j'y vois. Mais ce serait vraiment nice. Il y a eu beaucoup de trophées dans cette vidéo. Il y a eu surtout l'argent. Terminer la plongée à faire face à un requin. Sauf à un moment donné, quand j'arrêtais mon ancrement, le logo il buguait. À moi, j'ai gagné 3 fois un trophée, mais il buguait. Genre, j'avais mis sur pause. J'avais 3, 4, 5 fois des trophées dorés. Je pense soit j'ai gagné, mais soit ça buguait. Parce que j'aurais du coup. C'est déjà tout pour cette vidéo. Pour cette vidéo, on s'est fait un diamant. Je voulais montrer les deux morts. Qu'est-ce qu'il donne? C'est que faut juste que tu fasses un choix, un ou l'autre. Moi, j'ai fait les deux. Qu'est-ce que ça donne? C'est juste que ça donne pas grand-chose. C'est juste que tu as tué un. Comme la première fois, j'ai tué le mec, là, Finn, ou pourquoi. Après ça, j'ai tué le colonne, mais je pense que celui que j'ai tué Finn, c'est la bonne idée. Parce que quand j'ai tué l'autre à camisole, c'est à un niveau-là, je vous parlais que c'était à la Call of Duty. Mais il avait l'air plus sinistre, mais je pense le choix je vous ai fait. Mais vous voyez, quand j'ai tué lui qui nous a filé la job, je pense que c'est Finn ou quoi de même. J'ai eu un trophée de bronze, brun. Et quand j'ai tué l'autre, j'ai eu un trophée d'argent. Ça fait que vous pouvez faire les deux. Moi, je pensais si je tue un autre, ça ferait des conséquences ou ça continuerait le niveau. Mais je me suis duré pas mal. Du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Sauf que vous en faites d'autres de cette vidéo. Je pense la porte, comme vous avez vu dans le fond. Je pense qu'il faut faire toutes les affaires. Puis ça débrouille la porte en arrière de moi. Ouais, dans cette porte-là, en fait. Peu importe là. Dans cette porte là qui déverrouille, je pense. Ça fait que on va se laisser cette vidéo. Non, c'est pas ça que je veux faire. Non. Ouais. On va se laisser sur cette vidéo. Je vous ai fait 2 gameplays. Un c'est 2 alternatives du choix. Et l'autre c'était un exploration, l'autre requin.
Mon aperçu, c'est vraiment bon. La mission de l'affaire là avec London Age, c'est vraiment bien. J'ai beaucoup kiffé. Je sais que une version j'avais eu de London Age, c'était une mission à cette mission là avec le fourgon. Il fallait tirer sur les ennemis. Ça, je l'ai vu, je pense, c'était sur un autre VR parce que tu avais des recharges tandis que là, tu tires, tu recharges. Et sinon, l'affaire du requin. Il y en a un que j'ai pas fait, c'est les corails, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup kiffé le requin, j'ai eu un peu peur à certains moments, mais le reste c'était du fail, ben pas du fail, mais je veux dire du mise en scène, du faisant semblant d'en rajouter pour avoir peur, mais pour vrai ça fait pas si peur que ça. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais ça dépend. Du coup, j'espère que t'as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et aussi de mettre la petite clochette pour recevoir la notice de mes prochaines vidéos, sur toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et pour les nouveaux, fais des gameplays sur PS3, PS4, ben PS3 s'en vient, PS4, Xbox One et sur Switch. Du coup, bienvenue aux nouveaux qui ont abonné. Ça a baissé, j'ai remarqué, ça a remonté. Mais c'est ça. Demain, il y aura peut-être une vidéo sur ce jeu, je sais pas. Peut-être. Sinon, je vais peut-être vous faire du Dragon Ball. Sinon, ça sera du Deadpool. Et après ça, on verra. Mais peut-être du Dragon Ball si c'est possible. Sinon, je vais reprendre des poules. Ou autre. Du coup, en description, on aura la chaîne de Nodiben Gaming. Nodiben Gaming, il fait des super vidéos, des lives sur Facebook, sur Twitch. Allez voir, le lien est en description. Il y aura aussi la chaîne, pas la chaîne, mais je veux dire. Mon adresse courriel si vous voulez me écrire en privé. Sinon en description, que cette fois là je vais le faire, il y aura mon Twitter si vous voulez avoir une annonce de mes prochaines vidéos, annonces et etc. Et aussi ma page Facebook dédiée à ma chaîne qui s'appelle Le Flingueur, allez voir. Je le mettrai en description. C'est pas facile de trouver, je le mettrai en description. Et sinon, c'est pas mal ça. Du coup, j'espère que t'as aimé cette vidéo. C'était Le Flingueur. Ciao, ciao. Et vive les jeux vidéo.